Qu'est-ce que c'est que ça? Pascal Telade et Jean-Charles Sarrazin. Qu'est-ce que c'est que ça? Demande le petit chien. Ses amis les souris réfléchissent. Elles disent toutes. Les deux souris ont toujours de bonnes idées. Elles montent dedans, hop, 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 et font vroom, 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 en disant « C'est une voiture, tiens !» Le poussin n'est pas d'accord. « Mais où est le volant ? Et les roues ?»« Non, ce n'est pas une voiture, c'est une baignoire. » Ce n'est pas possible, s'exclame le chevreau. Il n'y a pas de robinet. Non, ce n'est pas une voiture, ni une baignoire. C'est un chapeau. Et hop, il le pose sur sa tête. Le veau rit. Comme tu as l'air bête. Mais non, ce n'est pas un chapeau, ni une baignoire, ni une voiture. Hein. C'est une chaussure. Il met le pied dedans. Mais la chaussure ne tient pas au pied. Le chaton se moque. « Que tu es bené, veau ! Une chaussure à des lacets ! Non, ce n'est pas une chaussure ni un chapeau. Et encore moins une baignoire ou une voiture. C'est évidemment un lit. » Et il s'endort. L'ânon prend sa voix la plus sérieuse et dit. « Non, vous ne savez donc rien. Moi qui vais à l'école, je sais. Non, ce n'est pas un lit. Ni une chaussure, ni un chapeau, ni une baignoire, ni une voiture. C'est un bateau. » Et il le pose dans la mare. Tout de suite, les trois canetons s'écrient. « Oh, le beau bateau !» Bébé Cygne veut monter, mais plouf, le bateau s'enfonce. Heureusement, maman Cygne et tous les grands sont là. Ils prennent leur voix de grands qui savent tout et disent. Les petits, vous ne savez pas grand-chose du monde. Hein? Non, ce n'est pas un bateau, ni un lit, ni une chaussure, ni un chapeau, ni une baignoire, ni une voiture. C'est beaucoup plus simple que ça. Quoi, quoi ? Demandent impatients les petits animaux. À ce moment, un cri résonne dans la cour. « Mon pot !» J'ai fini ! C'est la fin de l'histoire.